Ça souffle aujourd'hui dans la baie d'Anao. Sur les hauteurs de la baie d'Anao, avec Rêve de Mouillage qui est en plein milieu. Beaucoup de bateaux de partie, il y en avait bien presque une dizaine en plus, et maintenant on n'est plus que 4. Bon, je vais pas monter plus haut, moi je vais m'arrêter là, j'ai encore toute la descente au village et après il faut refaire tout le sens inverse. Donc on va se calmer un peu, mais c'est superbe, la vue doit être magnifique de là. On voit la baie d'à côté, avec la pointe de l'île. Une autre baie. Vu comment ça défère, là, on n'y met pas les pieds tellement qu'il y a des rouleaux. Donc le mouillage doit être impraticable. On attaque dans la verdure maintenant. C'est magnifique. Ouh. Et il fait chaud. Heureusement, il y a du vent. Comme on peut voir, la marche est haute. Il faut longer la crête pour arriver jusqu'à côté des panneaux solaires pour reprendre le chemin. Donc, alors, on va faire très attention. Donc on va couper le téléphone et on se retrouve. La belle plage d'Anao. Et la surprise ici quand on vient ici, c'est qu'à marée basse, et ben, c'était le récif qui est juste là. On est vraiment marée basse. Là il y a juste comme une passe pour rentrer. C'est une rivière qui a fait ce passage, c'est pas l'homme. Et après, ça continue le récif. Et c'est un truc unique aux Marquises, sur Anao. On revient à la belle plage. Un bel arc-en-ciel. Je crois que j'ai un voisin qui essaie de monter dessus. Bon, son oncle doit être juste là. Ouais. Voilà, il a décroché et il est en train de partir.
Les chèvres sauvages. Elles nous surveillent, hein. Elles ont passé le chemin vite fait. Bon, c'est à contre-jour. Après la plage, on retourne dans la verdure. Là, on se croirait sur un terrain de golf. C'est bizarre. Et après, on retourne, c'est quasiment de la jungle quand on redémarre le retour. Des gens habitent là, il y a un jardin juste à côté. Continue le chemin. Donc là, il y a des fermiers, plantation de bananes, et puis là, les papayes. Et le chemin, on continue. Allez, on remonte, mais ça devient un peu plus un chemin. C'est superbe. Bye bye la baie d'Anao. On reviendra plus tard parce qu'on était vraiment bien ici. C'était vraiment sympa. Allez, là, on va faire attention à la pointe. Allez, c'est reparti. Bon, j'arrive à passer cette pointe là-bas. Avant que le vent aille mieux, là, je dois tirer les bords. Je suis au presserré. Une fois passé, hop, ça sera plein sud. Ça va aller mieux. En tout cas, la côte est vraiment magnifique.